Voilà. Monsieur, dans l'exercice 13.1, vous êtes trompé en recopiant l'énoncé, ce qui implique qu'à la fin, on obtient 0, 0 égale 0 et pas moins 2 alpha égale 0. Est-ce que la conclusion reste la même? C'est dans le point 2 quand on fait l'injection de l'équation 2 dans la 1. Alors je reprends ça, Zoubir, j'ai un doute. Je me suis trompé en recopiant l'énoncé du 13.1. Pourquoi je me suis trompé en recopiant l'énoncé du 13.1? Qu'est-ce que j'ai fait? À quel moment je me trompe, Zoubir? J'ai un doute sur ça, là. Je vois pas ce que j'ai fait de qui pose problème. T'as un moment sur la vidéo, tu vois, où je l'ai dit et j'ai déjà oublié que j'ai fait ça, comme j'ai fait ça mardi après-midi, et que j'ai corrigé beaucoup de copies entre deux, j'ai perdu mon fil conducteur. À quel moment je me suis trompé? Alors, je crois qu'il y a eu un problème dans l'exo 13 à la fin avec les parenthèses vers 7 minutes. On devrait avoir 2x et on a un 2. C'était avec plus Q0 et j'ai fait moins Q0. Je revois, je regarde la vidéo du coup pour voir ça. Alors, elle est où cette vidéo? Cours, il est là, informatique, 13.1. Fait 8 minutes. Donc vers 7 minutes, quand je recopie, je lance la vidéo et je vois ça avec vous. Bonjour à tous, on va quand même faire un 3. Q appartient à D, ce qui veut donc dire d'un côté que alors, la section est réduite à 0. Ensuite, puisqu'on est en dimension... Ah ouais, je vois ça là, quand je fais ça... ouais, je vois que c'est à la question 2... C'est travaillé par équivalence. J'ai du moins 2 alpha... Là, j'ai envie de changer, j'ai envie de juste dire que l'autre inclusion étant évidente... Alors... Si vous faites dans le bon sens et que vous dites que l'autre ça va, on va remis. Alors j'ai un problème, je vois mon erreur. Si vous faites dans le bon sens, je peux reprendre du coup parce que là je vois mon erreur. On ne posera pas de problème pour dire les choses. Zut, donc c'était au moment de faire l'intersection en fait. C'était au moment de faire l'intersection des deux espaces vectoriels. C'était ça que j'avais besoin de savoir plus tôt. Et donc pour faire mon intersection des deux espaces vectoriels, donc l'exercice 13.1, mais oui, c'est parce que j'avais aussi une erreur de notation. C'était ça que je savais que j'avais une erreur dans le 13.1, mais je vous l'ai dit, c'est une erreur de notation. Parce que je ne peux pas appeler P mon premier ensemble, vu que c'est un ensemble de polynômes P dedans. Donc ça n'avait pas de sens, donc je l'ai rappelé P1 après. C'est l'ensemble des polynômes D, donc c'était de R de crochet X tel que... Et là, c'était du P seconde moins P' de 0, et c'était du plus P de 0. Et j'avoue que quand j'ai repris l'énoncé, j'ai fait du moins P de 0. Et D, c'était tout simplement vect de 1 plus X. Donc tout simplement, donc pour faire l'intersection, je vous l'ai dit, c'est toujours les mêmes principes. Donc un polynôme P appartient à P1 inter D si et seulement si il appartient à P1 et il appartient à D. Ce qui implique, ce qui est équivalent donc à dire que ce polynôme P doit s'écrire alpha plus alpha x, tout simplement ici en bas vu qu'il est dans vec de 1 plus x. Et qu'en haut, il doit vérifier P seconde, et là c'est moins P' de 0 plus P0 égale 0. Donc en plus, si c'est ça, mon truc va être faux, je parie. Parce que clairement, si j'injecte maintenant, donc si ça c'était 2 et ça c'est 1, si j'injecte 2 dans 1, si j'injecte 2 dans 1 tout simplement, P seconde c'est égal à 0, P' de 0 ça fait alpha, P de 0 ça fait alpha aussi, et j'ai un problème, c'est que si j'injecte 2 dans 1, j'obtiens justement, avec ce que tu dis ou bien j'obtiens du 0 égale 0. Bah, ce qui fait que si je mets un plus ici, il y a un problème dans mon énoncé. Parce que du coup l'intersection, ça implique que les deux conditions, la condition 2 vérifie aussi la condition 1, ce qui implique que P1 inter D, bah, c'est tout simplement D.
On a D qui est inclus dans P1, donc il y a un problème là-dedans. Si j'ai mis mon plus, il y a un problème, c'est qu'il y avait bien un moins et que j'ai mal recopié l'énoncé quelque part ou que j'ai mal fait mon truc. Mais si ici si j'ai du 0 égale 0, il y a un vrai problème. C'était plus Q0 et j'ai fait le calcul avec moins Q0. Ouais, bah, il y a un vrai problème s'il y a un plus P0. Donc si ça fait du 0 égale 0, ça veut juste dire que tous les polynômes qui s'écrivent comme ça vérifient cette condition-là, ce qui n'est pas vrai avec le moins. Et du coup, l'intersection n'est pas nulle, ce ne sont pas des espaces supplémentaires. Merci de me l'avoir fait remarquer, Zoubir, j'avais pas fait gaffe que c'est parce que j'ai fait une erreur que tout marche bien. Donc il y a un problème dans mon énoncé de base, j'ai du mal à le recopier quand je l'ai pris, vu qu'il faut forcément mettre un moins, sinon mes espaces ne sont pas supplémentaires. Et dans mon 13.1, ma question était bien fermée, c'était pas une question ouverte. Je reprends, dans le 13.1, c'était montrer qu'ils sont supplémentaires. Donc non, il y a bien un problème dans mon énoncé. Vu que le polynôme 1 plus x, P' de 0 ça fait 1, plus P de 0 ça fait 1 aussi. Non, non, ça marche pas. Clairement, avec les deux conditions que je mets là-haut, le polynôme 1 plus x, clairement, vérifie cette condition-là. Si on fait le calcul pour cette condition-là, ce qui implique clairement que vec de 1 plus x est inclus dans P1. Donc il y a un problème là-dedans. Et pourquoi je ne l'ai pas vu quand j'ai continué le reste de mes calculs, j'ai continué avec la même erreur? Parce que j'aurais dû le voir sinon. Je relance la vidéo pour la fin pour voir si je vois mon erreur. Parce qu'ensuite, quand je fais la dimension de P1, j'obtiens le vect. Donc quand j'obtiens le vect, j'aurais dû remarquer mon erreur. Alors je reprends ça pour voir si on le voit. Treize un, je reprends. En Ensuite, vrai, quand je fais le vect, je vais pouvoir écrire l'équivalent à écrire donc 2a moins p' pris en 0 plus 2 x plus 1. Donc la dimension de p1 c'est clairement égal à 2 et donc alors. Hop, je l'ai retrouvé, excusez-moi. Donc, mon exo est complètement incohérent. Parce que si vous prenez la fin de la vidéo maintenant, excusez-moi, je n'avais pas vu cette petite erreur qui change tout. Parce que enfin, je ne vois même pas l'erreur quand je le fais. Ah, ensuite, dans l'exercice, je dis bien que P1, c'est vect de 2 plus x carré et de 1 plus x. Quand je dois obtenir la dimension et le vect, j'obtiens ça pour vect de P1 en reprenant avec le plus. Donc si j'obtiens ça, j'obtiens quand même quelque chose d'assez phénoménal. C'est que dans P1, il y a vec de 1 plus x, sachant que 1 plus x, c'est ce qui est là. Donc il y a un gros souci, c'est que je viens de dire que P1 inter D, c'était réduit à 0, et j'obtiens que P1 contient D, ce qui est bien ce que je viens de dire qu'il y avait un problème ici. Donc il y a clairement un problème dans cet exo 13.1 que je n'avais pas vu. Je sais pas, j'ai du mal à recopier l'énoncé de base que j'avais repris. Il faut clairement mettre un moins ici. Donc je vais le refaire là très vite avec un moins, juste pour qu'on soit cohérent. Du coup l'intersection est bonne, c'est la fin de l'exo qu'il faut refaire, c'est la dimension de P1 qu'il faut faire et refaire le vect. Donc c'est ça que je vais refaire tout simplement. Il y a clairement une erreur ici. Je modifierai le poly, il y aura une. Enfin, ce sera modifié. Quand on fera la 13.2, on reprendra le bon énoncé. Mais tout simplement, donc maintenant, ce qu'il faut changer, c'est absolument que ici, P1, c'est l'ensemble avec un moins. Donc P1, c'est l'ensemble des polynômes P de R2 avec ce moins-là. D, ça reste vec de 1 plus x. Avec ça, la vidéo nous permet bien d'obtenir sans aucune difficulté que P1 inter D, ça fait 0. Et maintenant, pour ce qui restait juste à prouver, c'était puisque cette dimension-là fait 1, dîme de D égale 1, que dîme de R2 crochet X, c'était 3, pardon. Il me restait uniquement à prouver que la dimension de P1, c'était 2. Et ça, la preuve reste la même, mais au moins on va obtenir un vect qui ne contiendra pas 1 plus X et on pourra vraiment conclure.
C'est tout simplement que maintenant, pour trouver la dimension de P1, ce qui est classique quand on est en dimension finie et qu'on possède une base, c'est qu'on va décomposer un polynôme P dans notre base et qu'on va voir ce que veut dire appartenir à P1. Donc ça me fait prendre ax² plus bx plus c, et maintenant pour que P appartienne à P1, c'est équivalent à dire qu'il faut que P seconde moins P' de 0, et là c'est très important, il faut que je mette un moins P0, sinon je vais avoir des problèmes, soit égal à 0. Donc la dérivée seconde, ça va me faire du 2a pour P. Je vais écrire ici que P', ça fait du 2ax plus B, et que P seconde, ça fait du 2a. Forcément, du coup, moins P' de 0, ça fait du moins B, moins P0, ça fait du moins C. Je me retrouve avec du 2a moins B et moins C égale 0. Donc par exemple, avec C qui vaut du 2a moins B, ce qui est équivalent donc à écrire que P vaut le polynôme ax² plus bx plus 2a moins b. Et là, ça va quand même changer bien les choses, vu que je vais bien me retrouver avec mon polynôme x² plus 2, mais je vais me retrouver avec le polynôme x moins 1. Et le polynôme x moins 1 n'est pas collinéaire du tout avec un plus x, qui est beaucoup, beaucoup plus cohérent. Et du coup, ça implique que P1, c'est vect, on l'avait déjà vu, de x carré plus 2 et de x moins 1. Et là, maintenant, il n'y a aucun souci. On a bien prouvé que ce sont bien deux vecteurs non collinaires, il est bien de dimension 2, mais il n'y a pas d'incohérence avec l'intersection. Tu as bien remarqué la grosse erreur, je suis complètement désolé d'avoir fait cette erreur là dans la vidéo, ce qui fait que ça amène à une autre erreur derrière, vu que j'aurais dû la voir et qu'elle pose un vrai problème. Tu as soulevé un vrai point très intéressant, Zoubir, en montrant qu'on tombait sur 0 égale 0. 0 égale 0, ce qui faisait qu'il n'y avait pas de... On doit obtenir que alpha est nul pour obtenir que c'était le vecteur nul pour l'intersection. Donc il faut absolument mettre un moins ici pour que l'intersection soit nulle, et après tout marche. Donc on peut la preuve aussi que si on change un point de détail, si on met un plus à la place du moins au niveau de ce P0, bah l'intersection n'est pas réduite à 0. Ces espaces ne sont pas disjoints, entre guillemets. Alors pas disjoints vu qu'il y a toujours le vecteur nul entre les deux. Ils ne sont pas indépendants et donc ils ne peuvent pas être supplémentaires. C'est pas une bonne décomposition de l'espace. Bon, voilà pour l'erreur qui est corrigée. C'est pas grand chose, mais je préfère que ce soit corrigé. Là, c'est juste une erreur de calcul qui pose problème, certes, mais c'est juste une erreur de calcul. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes plus conceptuels? Je pense notamment à l'exercice en dimension infinie. On va en refaire un deuxième ici, ensemble, ou c'est vous qui allez plutôt essayer d'avancer. Parce que c'est vraiment cette histoire d'analyse-synthèse, parce qu'on n'a pas cette théorie de la dimension pour nous aider, qu'il faut savoir franchir et qui est un tout petit peu plus dur. En regardant la vidéo, ça avait l'air d'aller, l'exercice en dimension infinie. On va en faire un autre là tout de suite, hein, pour essayer de combler ce qui se passe et de voir comment on mène cette analyse synthèse. Notamment qu'on va faire des recherches, quelles recherches faire et surtout à quel moment on a fini ou pas. Mais bon, ça avait l'air d'aller, cette analyse synthèse. Bon, bah allons-y. On va faire l'exercice, du coup, celui qu'on n'a pas fait. Alors, je ne sais plus lequel j'ai fait en vidéo, Zoubir. Pour le 5, quand on prend le vecteur i égale 1, 0, 0, on aurait pu prendre un autre vecteur qui n'est pas dans le vecteur de l'énoncé. Oui, exactement. On aurait pu perdre n'importe quel vecteur qui n'est pas dans le plan. C'est-à-dire tu prenais un vecteur au hasard, tu testais s'il appartenait à ton plan, et du moment qu'il n'était pas dans ton plan, ça marchait, Zoubir. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Là, vraiment, c'est limite bête, mais prendre un vecteur, ce que j'appelle prendre un vecteur au hasard, bon, c'est pas du vrai hasard parce qu'on va donner des coordonnées entières, mais tomber dans le plan en prenant des coordonnées au hasard, c'est de l'ordre de l'impossible. Faut vraiment le faire exprès. Parce qu'un plan, c'est plat dans l'espace qui est, lui, volumineux. La probabilité de tomber sur un élément du plan en tirant un vecteur au hasard, elle est nulle, normalement. Donc on avait fait en classe, donc ce que je vous avais fait faire, c'était l'exercice, je reviens, c'était ce qu'on a fait, c'était le 3, donc celui qu'on va faire là, c'est le 2. Donc c'est f de 1 égale 0 et f de x égale à x. Ok. Donc allons-y. On va faire l'exercice 2 du poly. Alors j'efface mon tableau et on s'y met.
Je vais faire très vite l'intersection, vu que l'intersection c'est assez facile, et c'est plutôt, je veux qu'on passe du temps, et vous-même en m'aidant dans le chat, pour essayer de faire l'analyse synthèse, et notamment ce qui m'intéresse le plus au niveau de l'analyse synthèse, c'est oui bien sûr le point de départ, mais je vais faire moi les calculs, mais c'est à quel moment vous savez que vous avez fini votre analyse synthèse, parce que il y a une subtilité à comprendre là-dedans, et je pense que ça, cet exercice-là, l'exercice 2, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en vidéo et que je voulais le faire en direct, c'est vraiment... un exemple typique pour faire ça. Donc c'est l'ensemble des fonctions continues sur R telles que f de 1 égale 0. On va prendre l'ensemble des fonctions continues sur R telles que, en fait, il existe un paramètre A réel tel que f de x soit égal à x. Tel que pour tout x appartenant à R, f de x égale à x. Donc en gros, cet ensemble G, il est un peu compliqué à expliquer, mais c'est l'ensemble de ce que j'appelle les applications des fonctions linéaires sur R. C'est-à-dire que les fonctions qui sont dans G, c'est des fonctions bah, qui s'écrivent comme ça. Alors ça passe par 0 toutes, et elles ont toutes un coefficient directeur A, c'est tout. Donc elles passent toutes par 0, elles peuvent avoir aussi un coefficient directeur nul, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, ce sont des fonctions de ce type-là. Première question avant même d'attaquer l'exo. Est-ce que vous voulez que je prouve que ce soit des sous-espaces vectoriels? Notamment le deuxième. Le deuxième, ça m'intéresse, l'espace G, ça m'intéresse moi de faire espace vectoriel pour cette histoire de la fonction nulle qui vous gêne tout le temps. Je l'ai encore vu en corrigeant des concours blancs, il y a des histoires pas claires avec la fonction nulle. Est-ce que vous voulez que je le fasse ou est-ce qu'on voit s'il reste du temps à la fin de l'heure? Pour prouver que G est un espace vectoriel, c'est intéressant. F, c'est très très simple et pas très compliqué. G, ça me paraît un tout petit peu plus intéressant. Bon, bah plutôt que d'attendre 5 minutes que vous décidez, je vais le faire, ça va faire gagner les 5 minutes. On peut faire à la fin s'il reste du temps, Sacha? Bon, bah on le fera à la fin. Ah, Damien, tu voulais bien le faire? Ok, bon bah... C'est Damien qui l'emporte, entre vouloir et ne pas vouloir, je fais. Donc pour montrer que G est un espace vectoriel, alors attention, donc bien sûr on va se placer le total, c'est dans E, dans C0 de R, donc on est encore dans un cas où clairement on est en dimension infinie, je vous rappelle que les espaces de fonctions sont de dimension infinie. Donc pour montrer espace vectoriel, on ne va pas avoir trop le choix, pour montrer que G est un espace vectoriel, on n'arrivera pas à l'écrire vect, parce qu'il ne sera pas de dimension finie forcément. Si justement ici on pourrait même l'écrire vec, j'y avais même pas pensé, c'est une autre solution pour G qui simplifie beaucoup les choses, mais donc je vais remettre les deux idées, soit on l'écrit vect, alors ça uniquement si G est de dimension finie. Et donc pour moi je ne le ferais pas si j'étais vous. Parce que quand on est dans un espace de dimension infinie, comme c'était le cas pour les fonctions paires et impaires, on peut clairement couper l'espace en deux espaces de dimension infinie. Donc c'est pas du tout sûr qu'on puisse l'écrire comme un espace de dimension finie. Sinon, si on passe pas par la notion de vec, c'est repasser par les axiomes. Donc il faut montrer que la fonction nulle appartient à G. Ça je l'écris comme ça, mais ça peut juste dire la fonction nulle, et on peut même prendre une autre, c'est la fonction nulle appartient à G, et il faut montrer que tout simplement pour tout alpha appartenant à R et pour tout, et c'est important de bien quantifier, pour tout F et G dans l'ensemble grand G, F plus alpha G est encore dans grand G. Donc ça qu'on doit faire. Donc je vais passer par le premier axiome, et c'est même celui-là qui m'intéresse, la fonction nulle. Alors si elle vous gêne la fonction nulle, on peut lui donner une notation standard avec un 0, soit f0 la fonction nulle, donc c'est la fonction, je rappelle, qui vérifie pour tout x appartenant à R, f0 de x est égal à 0, et il faut que vous justifiez que la fonction nulle vérifie cette contrainte-là, c'est ça la condition d'appartenance à mon espace. C'est celle-là, là-haut, que je souligne en rouge. Du coup, Damien, est-ce que tu peux me dire pourquoi, quel argument tu aurais pour pouvoir dire que la fonction nulle vérifie la condition rouge?
Ce que tu vois, ce que tu vois pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait dire. Oui, Léo, exactement. C'est exactement ça. On va choisir, comme il faut qu'il existe un A. On va choisir le A. Là, c'est donc juste prenons, et c'est ça qui est un peu particulier, mais il faut savoir, prenons A égale 0. Alors, f0 de x, c'est bien égal à A fois x pour tout x appartenant à R, ce qui implique bien que f0 appartient à g. C'est ça la contrainte pour la fonction nulle qu'il faut arriver à faire. Et du coup, maintenant, la combinaison linéaire, c'est un peu plus simple. On reprend f et g, on veut prouver que f plus alpha g appartient à g. Donc on va calculer pour le deuxième point, pour tout x appartenant à R, on va aller calculer f plus alpha g de x. Alors ça, c'est juste règle de calcul sur les fonctions, ça fait f de x plus alpha g de x. Et comment on continue encore une fois, comme f et g sont deux fonctions, comment on continue? Et c'est toujours ça qu'il faut faire quand on fait la combinaison linéaire. On ne peut continuer ici que parce que f et g sont toutes les deux dans g. Comme elles sont toutes les deux dans g, ce qu'on va pouvoir écrire, c'est que bah, f de x est par exemple égal à a1x et que g de x c'était par exemple égal à a de x. Il faut se donner une lettre, il n'y a pas le choix. Et donc maintenant, ça, mince, je suis en train de cliquer sur ce qu'il ne faut pas. J'espère que vous voyez encore. Ça fait du a1 plus alpha a2 de x. Et donc ça permet de conclure, parce que ça, je peux le voir comme un a3 fois x tout simplement. Avec A3 qui vaudrait juste A1 plus alpha A2. Donc il existe bien un réel pour lequel la fonction s'écrit bien A3x. Donc ça, j'écris pas la conclusion vu que j'ai plus de place en bas de mon tableau, mais ça prouve bien que F plus alpha G, le son est très mauvais. Alors je sais pas si les autres, si vous avez aussi un son très mauvais. Très très. Ok, je vais juste aller vérifier quelque chose. J'arrive 2 minutes. Excusez-moi. Alors, le son est mauvais. Alors, deux choses. L'une, on dirait un sous-marin. J'ai fait couper toutes les télés, tous les appareils électroniques de ma maison pour essayer de gagner un peu en débit. Est-ce que ça va un tout petit peu mieux ou non? Si c'est non, je ne pourrais pas faire mieux, malheureusement. C'est mieux? Bon, bah, c'était clairement un problème de débit. Je pourrais pas faire mieux là par contre, hein. Y a plus un seul téléphone, il n'y a plus rien d'allumé dans ma maison. Donc là maintenant il n'y a plus que mon ordi qui est sur internet. Voilà pour G. Mince, j'ai effacé le haut en faisant pas très attention, alors c'était plutôt le bas. Donc on a prouvé que c'est un espace vectoriel. Vous pouvez faire la même chose pour f. Alors juste petite remarque en passant, j'avais dit qu'on pouvait le faire aussi. En fait, g, c'est un espace de dimension finie. Est-ce que quelqu'un voit le vect qu'on peut écrire? C'est quoi ce g? Cet ensemble g en tant que vect? Alors j'ai tout effacé, mais... je remets donc vite fait, f, c'était l'ensemble des fonctions f, c'est 0. F de x moins x égale 0. Et c'est quoi ce vect?
C'est pas un vecteur. Ah, là, tu voulais le voir. Tu voudrais le voir comme une sorte de noyau. C'est plutôt comme un noyau que tu veux voir ça, Sacha, non? L'écrire comme un vecteur, c'est plutôt le générer par un vecteur. C'est pas faire apparaître un égal 0. C'est l'ensemble de fonctions continues sur R telles qu'il existe A appartenant à R vec de X. Alors, il ne faut pas confondre polynôme et fonction, Justine, mais oui, c'est à peu près ça. Alors, il faut juste être cohérent en termes de notation, mais c'est ça l'idée. En fait, G, c'est tout simplement, puisque c'est les fonctions, oula, j'ai écrit comme un cochon. C'est comme ce sont les fonctions qui s'écrivent comme ça, en fait, G, c'est tout simplement les multiples de la fonction, je pourrais noter, alors ça, il y a plein de notations. Mais si je note f1 de x égale 1x, entre guillemets, hein, si, comme si mon paramètre a valait 1, si je note f1 de x, ça c'est juste vec de f1, ou c'est juste avec mes notations à moi, plutôt vec de la fonction qui a x associé x. Tout simplement. Donc c'est clairement, g est un espace de dimension 1. Donc mon exo consiste à montrer maintenant que f plus g, ça fait e, et là, ça vous montre quelque chose d'assez particulier, notamment. C'est que mon espace E, qui est un espace de dimension infinie, je vais pouvoir le découper en deux morceaux. Un morceau de dimension 1, G, et un morceau qui est clairement, lui, bah, si G il est de dimension 1, et si E est de dimension infinie, il n'y a pas le choix. F est, lui, forcément un morceau de dimension infinie. Mais donc j'ai réussi, entre guillemets, à enlever une dimension à l'infini. C'est un peu bizarre. Mais comme quoi, l'infini, c'est un nombre compliqué, c'est pas un nombre réel. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut avec, quoi. C'est pas des notions très évidentes. Donc maintenant, pour montrer que s'ils sont en somme directe, on est encore une fois dans le cadre de la dimension infinie. Donc là, il n'y a pas le choix, il y a deux choses à prouver. Montrer que f inter g, c'est égal au vecteur nul. Donc le vecteur nul, je vais remettre mon fameux f0 qui est la fonction nulle. Mais c'est la même chose, c'est ce qu'on veut prouver. Donc c'est le premier point. Donc on veut montrer que f plus g sont supplémentaires pour être égal à e tout entier, e étant l'ensemble des fonctions continues sur R. Donc montrer supplémentaire, c'est montrer d'intersection nulle. Et justement, comme on est en dimension infinie, il faut que la somme atteigne tous les vecteurs de l'espace. Et ça, on ne pourra pas le découper par de la dimension. Donc l'intersection nulle, c'est toujours la même chose. On va prendre un élément quelconque, petit f appartenant à f inter g. Il faut savoir traduire toujours la même chose. F est dans F inter G si F appartient à F et F appartient à G. Donc ça veut dire traduire les deux conditions. Ça veut dire que ça, c'est équivalent à dire que F de 1 vaut 0 et ici que pour tout X appartenant à R, F de X est égal à X. Il existe un certain A appartenant à R tel que pour tout X, F de X est égal à X. Donc ça me donne deux équations. Qu'est-ce que vous faites à partir de ces deux équations? Là, c'est assez simple à voir, mais c'est toujours la même chose. Oui, alors ça revient, donc ce que tu dis, Justine, tu dis f de 1 égale a, donc tu reviens à calculer dans 2. Donc en fait, là, ça revient dans 2. Mais ça, on peut le faire plein de fois de la façon. Dans 2, on injecte x égale 1. Ça donne f de 1 égale a. Et donc, on a deux égalités de f de 1. F de 1 égale 0 égale a. Donc, bah, ça donne forcément a égale 0. Alors oui, on peut le faire de plein de façons différentes. Mais de toute façon, ça donne a égale 0. Ce qui implique bien que pour tout x appartenant à R, si je recopie 2 maintenant, pour tout x appartenant à R, f de x est égal à 0. Bah, ça implique bien que f est égal à f0. Donc ça ne prouve qu'une seule chose. Normalement, ça prouve que f inter g est inclus dans l'ensemble qui ne contient que la fonction f0. Mais f inter g, cours de lundi mardi, étant un espace vectoriel, on a aussi forcément que f0 est inclus dans f inter g. Ce qui implique que f inter g est égal à f0. Ah.
voilà. Pour la partie intersection, je vais garder mes énoncés en haut, je peux effacer mon vec, c'était juste par pure culture. Maintenant, on va écrire tout simplement écrire la deuxième partie. Donc la deuxième partie, puisqu'on est en dimension infinie, on n'a pas le résultat de dimension. Ce qu'il faut absolument prouver, c'est que, alors on va se prendre des notations un peu particulières, mais tant pis. Pour tout e, alors je vais prendre un petit e dans e, pour toute fonction continue sur R, je veux qu'il existe f et g. L'unicité sera assurée par l'intersection, donc je veux juste l'existence de f et g. F appartenant à F, G appartenant à G, tel que E est égal à F plus G. Donc c'est ce que je veux faire. Je veux trouver des fonctions F et G telles que toute fonction E continue sur R puisse s'écrire E égale F plus G. Je veux faire ça. Donc je vais analyser mon raisonnement. Je pars, supposons que c'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez me déduire de F et G? Donc, qu'est-ce que vous faites comme calcul à partir de là? Et ce qui m'intéresse, c'est moi qui vais mettre les calculs, je veux juste que vous me dites quel type de calcul vous faites à partir de cette égalité de fonction. Et une fois qu'on va partir de cette égalité de fonction, moi je vous dirais, enfin je voudrais surtout que vous me dites, bah là c'est bon, on a fini, on a trouvé f et g. Donc au moment où on aura fait cette calcul, je voudrais bien que vous me dites aussi quand est-ce que vous avez trouvé f et g. Mais quel calcul vous faites pour apprendre des choses sur f et g? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous écrivez là? Qu'est-ce que vous faites? On les isole. Alors pour le moment, tu as une seule équation de fonction, Naomi. Comment tu m'isoles deux lettres différentes dans une seule équation? Ça va un peu tourner en rond. Enfin, il n'y a pas assez d'informations. Donc déjà, c'est peut-être la première chose. On en crée une deuxième, ouais, même plus qu'une deuxième. Moi, j'aimerais bien ne pas avoir une seule équation, j'aimerais bien en avoir une infinité. Et ça tombe bien, ce qu'on a, c'est... On écrit nos hypothèses, on peut remplacer G par AX déjà. Alors, attention à ça, et c'était une première étape, mais c'est ça. Je veux pas remplacer G par AX, je veux peut-être remplacer G de X par AX. Donc la première chose à faire, avant toute chose... c'est d'écrire que cette égalité de fonction se traduit pour tout x appartenant à R par une infinité d'égalités de réel. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Justine, ça serait écrit f de x plus a de x plus a fois x, car g appartient à grand G. Ok. Maintenant, quel calcul vous faites? Ça, je suis tout à fait d'accord. On a e de x qui est égal à f de x plus ax. On a une infinité d'équations, car g appartient à grand G. Ça me paraît très très bien. Premier point d'avancée qui est très très bon. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites comme autre calcul? On calcule de 1, oui, c'est exactement ça, Justine, qu'on va essayer de faire. On va poser x égale 1. Enfin, en gros, ce qu'on a déjà fait, c'est utiliser la condition d'appartenance à g. Donc clairement, ce qui nous reste à faire, c'est d'utiliser la condition d'appartenance à f. Elle est basée sur le fait que f de 1 vaut 0. Donc on va aller calculer ce que fait e de 1. E de 1, ça fait f de 1 plus a fois 1. Ça, c'est égal à A, tout simplement parce que F appartient à grand F. Et donc, on a bien la condition là-haut que F de 1 vaut 0. Donc, en fait, je viens de trouver que A vaut E de 1. J'ai la valeur de A. A, ça vaut E de 1. Donc, si j'ai la valeur de A, j'ai G. Donc, G de X, ça vaut E de 1 fois X. Qu'est-ce que je fais maintenant?
point crucial que je veux que vous arriviez à voir. Je veux trouver F maintenant. Je viens de déduire G. G, c'est 1 fois X. Je rappelle qu'ici, les données, c'est E. Entre guillemets, c'est on se donne une fonction continue. Et ça, ce sont nos inconnus qu'on recherche. On l'a. Pourquoi, Naomi? Je suis d'accord avec toi. Alors, c'est un truc tout bête, mais il faut arriver à le voir. Pourquoi on l'a? C'est quoi F? Suffit de le mettre dans l'autre sens. C'est exactement ça, Naomi. C'est exactement ça. Tu fais du F plus E moins G. Ouais, enfin bref. En gros, repartant de cette équation là maintenant, ou de celle du dessous, c'est pareil. Hein. F de X, c'est égal à E de X moins G de X, c'est-à-dire en fait c'est égal à E de X moins E de 1 fois X. On connaît G, donc enfin elle est connue par rapport à E, on connaît F par rapport à E. Donc on a F en fait. Donc on a fini notre analyse, on a bien trouvé l'expression de F, on a bien trouvé l'expression de G. Il nous reste donc à faire uniquement la synthèse. Pour tout E appartenant à C0 de R. E de X, ça va s'écrire E de X moins E de 1X plus E de 1X. Alors ça c'est vrai, hein, j'ai juste fait rajouter, enlever quelque chose. Ça je décide de l'appeler F de X. Ceci, je décide de l'appeler, c'est pas E de 1, mince, j'ai mal noté, c'est du E de 1 fois X, c'est le même hein, ici, pardon. Je vais effacer, ce sera plus clair. Allez. C'est du E de 1 fois X. Ceci, ce deuxième morceau, je décide de l'appeler G de X. On a alors F qui fait petit f qui est dans grand F, petit g qui est dans grand G. Donc on a bien décomposé E en F plus G. Vous êtes obligé de faire une synthèse. La synthèse, à la limite, c'est la seule chose que vous êtes obligé de faire. L'analyse, vous pouvez la faire au brouillon. Si vous écrivez ça sur une copie, et vous verrez ça dans certains corrigés de bouquins, vous allez avoir pour la réponse à cette question, juste E de X et E de X moins E de 1X plus E de 1X. Ça c'est F, ça c'est G, ça appartient à F, ça appartient à G, donc c'est bien découpable. Comment ils ont trouvé E de X moins... Oui, ça fait un peu miraculeux, je suis d'accord, mais la seule chose qui est nécessaire de rédiger, normalement, c'est la synthèse. Voilà. Alors après, du moment que vous les avez trouvés tous les deux, on a bien décomposé, moi ça m'ira très bien, mais à la limite, je pense que dans une copie, il vaut mieux faire l'analyse au brouillon, parce que de toute façon, vous ne savez même pas si elle va marcher. Vous ne savez même pas si la moitié de vos calculs vont être utiles. Et une fois que vous avez assez d'infos, vous écrivez uniquement la synthèse. Ça fera un peu miraculeux, mais vous n'allez pas inventer des choses incroyables dans un sujet de DS. Hein. C'est que on sait bien qu'elle va venir de quelque part, l'analyse. Oui, non, mais pas le temps de faire un brouillon. Si c'est pour se lancer dans un petit calcul, plutôt que se lancer dans ce calcul-là au propre, ça fait gagner du temps de juste lancer un petit calcul sur le côté, quoi, pendant 2-3 minutes. Si on sait qu'on doit faire une analyse pour un truc pareil. C'est une analyse. En fait, c'est une analyse plus compliquée parce que c'est pas une analyse du type décomposition en éléments simples où il faut trouver les valeurs de deux paramètres A et B. On ne sait pas ce qu'on recherche à la fin. On veut connaître ce qu'est F et G. Là, c'est plutôt un truc très inconnu où on tâtonne. Là, je pense qu'il vaut mieux partir sur un petit calcul au brouillon. Voilà, donc bien sûr, F appartient à petit f, appartient à grand F, pardon, G appartient à grand G, donc on a bien décomposé, donc c'est bien, ce sont bien deux espaces supplémentaires. Voilà pour ce petit exo en plus. Donc c'est vraiment cette analyse synthèse, vous voyez, elles sont pas très dures les analyses synthèses, mais je vous assure, pour le faire quand je dois donner ça en colle chaque année, quelle que soit la section, je l'ai encore fait cette année en MPSI, trouver...
comprendre que l'analyse synthèse est finie et qu'on a trouvé F et qu'on a trouvé G et que donc on peut conclure, c'est le point que les élèves ont le plus de mal à comprendre. C'est pas tâtonner, essayer de voir que G c'est E1 fois X. Une fois ils arrivent tous à trouver que G c'est E1 fois X. Mais une fois qu'on a G égale E1 fois X, savoir qu'on a fini, c'est ce que je veux que vous sachiez, c'est-à-dire que dès qu'on a une décomposition en deux morceaux, comme ici E égale F plus G, dès que vous en avez réussi à en trouver un, bah vous avez forcément l'autre en l'isolant. Donc c'est ça qui est très important de comprendre. Et j'en avais parlé mardi et je voulais qu'on l'ait revu. Ok. Bon bah voilà pour les petits exercices que je voulais qu'on fasse. On va avancer un tout petit peu sur le cours. Alors pas grand chose ou peut-être beaucoup. On va peut-être finir le cours et on fera des exos lundi du coup. On verra bien. Il y a plusieurs choses pour finir le cours. Déjà des petites choses dont j'ai pas parlé. Qui vont me permettre de finir le cours. Après, juste quelques mots de vocabulaire. La première chose dont j'ai envie de parler, je vais en parler après. On va d'abord faire le cours un peu plus lourd, un peu plus compliqué, et on parlera des détails et du vocabulaire après. Première chose, on vient de dire qu'on peut découper un espace vectoriel en plusieurs espaces vectoriels. Et on va repartir un tout petit peu en dimension finie pour expliquer des choses. Alors, imaginons qu'on ait ce découpage-là, E est égal à F plus G, donc ils sont supplémentaires, on a bien découpé l'espace. Ici, j'ai un espace de dimension N, ici, je vais dire que j'ai un espace de dimension P. Instantanément, vous connaissez la dimension de G. Quelle est la dimension de G? Ça, c'est le cours qu'on a déjà fait, c'est pas nouveau. C'est le principe justement qui se passe en dimension finie, c'est qu'on peut jouer sur les dimensions. La dimension qui reste, c'est forcément n-p. Ok. Maintenant, c'est le même raisonnement que le raisonnement par dimension, mais c'est juste un raisonnement un tout petit peu plus fin, mais c'est du cours, vous n'avez pas à refaire la preuve à chaque fois. Si cet espace est dimension p, il admet des bases de cardinal p. Par exemple, une base F1, FP. Cet espace-là, il admet des bases de cardinal N. Ok. Cet espace-là, il admet des bases de cardinal N-P. Notamment, par exemple, je vais donner une base G1 jusque Gn-P. Alors, c'est très très bête, mais il faut avoir de la logique. Si j'ai une base F1 FP de F, si j'ai une base G1 Gn-P de G, est-ce que vous avez une base de E? Est-ce que vous pouvez me donner une base de E qui serait de cardinal L? Alors la somme des deux, c'est pas tout à fait la somme, c'est la réunion des deux familles plutôt. Mais oui, ça va être ça. Si on prend la famille F1 FP et G1 Gn-P, on va dire que c'est première propriété de cours, on va dire que ceci est une base de E. Et deuxième propriété de cours, en fait, c'est une base adaptée à la décomposition E égale F plus G, tout simplement. C'est-à-dire que ça tombe bien, on a un bout de base qui correspond à tout ce qui se passe dans F et un bout de base qui correspond à tout ce qui se passe dans G. Si je voudrais faire un endomorphisme là-dedans, j'aurais des bouts de ce qui se passe dans F. Donc imaginons que j'aurais ma base F1 FP, enfin mon phi de F1 jusqu'à phi de FP, et phi de G1 jusqu'à phi de GP. Quand l'endomorphisme, on va le calculer dans une base Gn-P bien déterminée avec les deux espaces qui sont séparés, bah on va avoir des calculs ici parce que phi de F1 FP, ça va dépendre de F1 jusqu'à FP. Ensuite, on va avoir ici du G1 jusqu'à Gn-P. Les calculs de G1 jusqu'à Gn-P vont dépendre de ça. Mais les calculs de phi de F1 FP n'ont pas à dépendre du reste. Et ceux-là n'ont pas à dépendre du reste. Donc, avoir des bases adaptées, ça va nous permettre, quand on va faire des endomorphismes derrière, d'avoir des matrices diagonales par bloc. Ce n'est pas des vraies matrices diagonales, mais on a des diagonales de blocs. On aura un bloc P croix P, et là un bloc N croix N moins P fois N moins P, et en dehors ce serait des zéros en dehors de cette diagonale. Donc ça ce sont des propriétés de cours, on va les énoncer proprement maintenant, je vais vous mettre le poli dans le chat.
Hop. Alors, contrôle V. Hop. Vous allez voir apparaître dans le chat normalement la propriété. Donc celle que je viens d'expliquer, c'est le recollement de base et les bases adaptées. Si F1 FP est une base de F, si G1 GQ est une base de G, et que c'est F plus G en somme directe, alors F1 FP est suivi de G1 GQ est une base de E. Et à l'inverse, on a aussi la propriété inverse, c'est que si F1 FP et G1 GQ est une base de E avec les premiers vecteurs qui génèrent F et les deux derniers vecteurs qui génèrent G, alors B c'est une base adaptée à la décomposition F plus G. Donc on a le droit de faire des bases, enfin si on a une base sur chacun des espaces vectoriels, on a fini. Typiquement si je reprends mon espace de tout à l'heure, typiquement, ça veut aussi dire ça, j'avais dans mon exo de tout à l'heure qui était faux là en ligne, j'avais F c'était vec de 1 plus X et j'avais réussi, c'était pas F, ça s'appelait D. Et j'avais mon P1, j'avais réussi à montrer que c'était vect. Ça rame, désolé. 2 plus x carré et j'avais du x moins 1. J'avais réussi à faire ça comme calcul tout à l'heure. Bah, instantanément, ce que permet par exemple de faire cette propriété, si on a montré qu'ils sont supplémentaires, bah, si je vous demande est-ce que la famille 1 plus x. Oula, ça rame, donc j'ai du mal à taper ce que je veux. Est-ce que ça va, vous m'entendez encore? Parce que ça rame très 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 fort là. Ça va, Sacha? Ok. Ceci, cette famille-là, est forcément, d'un seul coup, une base de R2 crochet X, sans faire la moindre preuve. Tout simplement parce que ceci est une base de l'un, ceci est une base de l'autre espace, les deux espaces sont supplémentaires, donc la réunion des deux familles est forcément une base de E. Donc vous voyez, j'ai prouvé que ceci est une base de E de façon complètement tordue. On fait jamais comme ça, mais c'est une bonne façon de savoir qu'on pourrait faire comme ça. Voilà pour cette propriété-là. Alors il y en a une deuxième, normalement, qui était à peu près la même chose. Oui. Alors, hop, je remets une propriété dans le poly, c'est celle qui suit. Cette propriété que je viens de vous expliquer a deux espaces. Ah oui, avant, il faudrait montrer que D et P1 soient supplémentaires. Exactement, Naomi, quand même. Si on ne sait pas qu'ils sont supplémentaires, on n'en sait rien que ça fait une base au final. Ah, mais s'ils sont supplémentaires, on le sait. Donc je vous mets une nouvelle propriété dans le chat, c'est juste la même situation, mais si on a plein d'espaces, c'est-à-dire si on a F1, F2, FK, K espaces vectoriels en somme directe, et si on a une base B qui se sépare en B1, B2, B3, BK, associée à chacun des espaces, alors la famille, l'union B1, B2 jusqu'à BK est bien une base dans l'espace total. Alors c'est un bien gros mot pour faire des choses compliquées, mais oui, je ne l'avais pas encore écrit ça, donc je vais l'écrire là au tableau pour que vous compreniez bien la notation. J'avais mis avec des trois petits points, je ne l'avais pas encore noté correctement, mais si on sait découper en deux morceaux un espace, on sait aussi le découper en K morceaux. Donc si j'ai un espace E qui s'écrit E égale F1 plus F2 plus F3 plus FK. Alors, on ne découpe jamais un espace comme ça s'ils ne sont pas en somme directe. Donc, s'ils sont en somme directe, on peut noter la somme avec le symbole plus rond. Ben, on a une notation pour faire une somme de K espaces comme ça, c'est d'utiliser le symbole plus pour I égale 1 à K des FI, par exemple. Ça, c'est un symbole pour faire le même symbole que celui qui est là-haut. Donc on a aussi une sorte de symbole somme pour les espaces vectoriels. Bon, c'est rien de plus qu'une notation. Hein. Et c'est une notation du point de vue théorique dans les cours. Vous n'aurez pas à utiliser cette notation une seule fois
à part les propriétés que vous allez lire en cours. Hein, mais c'est pas un truc utile pour vous. C'est juste, ne soyez pas choqués, c'est juste pour dire qu'on a fait une somme directe de k espaces vectoriels. Encore une fois, mon espace de dimension 7, je peux le couper en un morceau de dimension 3 et un morceau de dimension 4, mais je peux aussi le découper en 3 morceaux de dimension 2 et un morceau de dimension 1. Donc dans ce cas-là, j'irai de F1 jusqu'à F4. Bon, voilà pour cette petite propriété-là. On a aussi, du coup, on avait vu la formule de Grassmann pour ce qui se passe pour deux espaces. On peut généraliser la formule à k espaces vectoriels. Alors, la formule du crible, on l'a généralisée de façon générale. Comme je vous l'ai dit, on ne fera jamais de somme de k espaces vectoriels s'ils ne sont pas en somme directe. Donc, s'ils sont en somme directe, leur intersection est forcément nulle. Si leur intersection est nulle, il n'y a pas de dimension de l'intersection. Donc, la dimension de la somme directe, ça devient forcément juste la somme des dimensions. Donc on a cette petite propriété de somme, c'est rien de plus que ce que je viens de vous dire, hein. Si on a trois espaces de dimension 2 et un espace de dimension 1 en somme directe, la somme fait une espace de dimension 7. Bon, on n'a pas grand chose à voir là-dessus en plus. Les dernières choses, c'est plus du vocabulaire, c'est des choses pas très importantes, enfin pas très importantes, vous en reparlerez l'année prochaine. C'est un mot de vocabulaire particulier qu'on n'a pas encore vu. C'est la notion d'hyperplan. Alors, pourquoi ça ne veut pas faire un coller? Alors ça, c'est vraiment juste et uniquement un mot de vocabulaire. Ce qu'on appelle un hyperplan en maths dans un espace vectoriel, c'est quand on est en dimension finie et que le sous-espace vectoriel est de dimension n-1. Donc dans ce cas-là, ce sous-espace vectoriel-là, on appelle ça un hyperplan. Donc tout simplement, c'est la généralisation de la notion de plan. C'est quoi un plan? Quand on est dans R3, un plan, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Donc quand on est dans R4, un hyperplan, c'est un espace vectoriel de dimension 3. Quand on est dans R19, un hyperplan, c'est un espace vectoriel de dimension 18. Voilà, c'est juste une définition. Donc c'est un mot de vocabulaire qu'il faut connaître, parce que par contre, il y a des questions qu'on va vous poser juste pour vous embêter, exactement comme on vous... Ça a des propriétés particulières. Alors justement, on a la seule vraie propriété que ça a. On en parle juste après, c'est lié aux formes linéaires. Alors, Zoubir, dans l'exemple de la base avec D et P1, c'est quand ces espaces respectent la propriété de recollement de base. Oui, enfin, c'est quand les espaces sont supplémentaires, ou sont au moins en somme directe. Si les deux espaces sont en somme directe, c'est-à-dire que tu sais qu'ils sont d'intersection nulle, alors, ça dépend. Faisons bien la différence. Supplémentaire, il y a une différence entre parler de F plus G qui veut juste dire ils sont en, ça c'est, ça veut juste dire ils sont en somme directe. Si tu sais par exemple que ton espace P et que ton espace D1 sont en somme directe, tu sais que la famille de trois vecteurs que j'ai mis là sera une base de P plus D1. Mais ce qu'on avait nous en plus, c'était autre chose, c'était que cette somme directe, elle faisait R2 crochet X. Et là, ce n'est plus être somme directe. Ça, là, ça devient, ça, c'est un autre mot de vocabulaire, ça devient supplémentaire dans R2 crochet X. Dans ce cas-là, règle en plus, ça, ce n'est plus juste une base dans P plus D1, c'est une base de R2 crochet X. Donc ça dépend des propriétés que tu as. Clairement, s'ils sont juste en somme directe, tu auras une base de ta somme directe, en recollant les bases. Mais si tu as... En plus, ils sont supplémentaires dans un espace de référence, tu obtiens même base dans cet espace de référence. Si tu es dans Rn crochet X, dans C0 de R, dans tout ce que tu veux, tu pourras t'en servir comme une base de référence. Alors, donc oui, je disais, pour les hyperplans, ça te va, Zoubir, quand même, comme explication ou non? Avant que je reparle de mes hyperplans. Parce que là, on va faire un exo sur les hyperplans.
C'est un mot de vocabulaire, c'est juste parce qu'il y aura des exos basés sur ce mot de vocabulaire. Ok. Donc mes hyperplans. C'est une définition, c'est juste un espace de dimension n-1. On va parler tout de suite de la seule propriété que vous avez à connaître. Je vais la mettre dans le chat direct. Savoir avec un autre mot de vocabulaire en plus du cours. Question, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est qu'une forme linéaire? On s'en est très très peu servi, mais ça arrive. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est qu'une forme linéaire? Alors, pourquoi je vois pas le chat? Ah, je descendais plus. C'est quand l'espace d'arrivée, c'est K. Voilà, K égale R ou Z, Justine, plutôt C que Z. C'est K, c'est quand on arrive dans R. Alors, dans R, dans 99% du temps, ou C, si on est dans un C espace vectoriel, mais c'est très rare, oui. Donc, ce qu'on appelle une forme linéaire, c'est une application linéaire qui part de l'espace vectoriel E de base et qui arrive dans R, tout simplement. Donc, juste si on applique le théorème du rang à cette application linéaire-là, le théorème du rang, vous devez savoir que la dimension de l'espace de départ est égale au rang de l'application F plus la dimension du noyau. Si on applique le théorème du rang à cette application, tiens, il manque peut-être même un truc dans ma propriété, je la lis. Ah si, j'ai bien précisé non nul, j'ai bien fait mon boulot. Le R est mal passé par contre dans ma propriété 9. Hein. Le R qui est dans la propriété 9, c'est un R avec une double barre. Hein. Excusez-moi, il est mal passé quand j'ai compilé le poly. Donc maintenant, imaginons, donc je rappelle que ça c'est la dimension de l'image aussi, mais imaginons que l'application est non nulle. Donc si F non nul. Si f non nul, la dimension de l'image, c'est forcément supérieure ou égale à 1. Et puisque aussi la dimension de l'image, enfin puisque, même pas la dimension, puisque maintenant l'image, c'est forcément inclus dans R, R c'est un espace vectoriel de dimension combien ? En tant que R espace vectoriel, c'est très bête, mais R c'est un espace vectoriel de dimension. Hein ? Oui, on s'en sert jamais comme espace vectoriel, vu que ce serait très bête de faire une théorie des espaces vectoriels pour R, mais si R2 c'est un espace vectoriel de dimension 2, si R3 c'est un espace vectoriel de dimension 3, R c'est R puissance 1, entre guillemets, c'est un espace vectoriel de dimension 3, de dimension 1, pardon. Donc la dimension de l'image est supérieure ou égale à 1 et elle est inclue dans R qui est de dimension 1. Donc en fait, quand on a une forme linéaire non nulle, la dimension de l'image c'est toujours exactement 1. Donc si la dimension de l'espace de départ c'est n, la dimension du noyau de cette application est forcément égale à n-1. Donc quand on considère une forme linéaire, son noyau est forcément un hyperplan. Ah, donc ça c'est juste une propriété de cours, vous avez le droit, mais bon c'est juste une application du théorème du rang. Donc est-ce qu'il faut apprendre cette propriété? J'en sais rien, il faut vraiment apprendre la définition par contre d'un hyperplan. Et si on vous demande jamais à un moment montrer que cet espace vectoriel est un hyperplan et qu'il y a une forme linéaire dans l'histoire, bah, il suffira juste de prouver que c'est une forme linéaire et qu'elle est non nulle, et comme ça, juste par théorème du rang, vous avez la propriété. Mais sinon, vous pouvez vous en servir direct, c'est du cours. Mais donc voilà, c'est la seule propriété à connaître sur les hyperplans. Alors voilà le genre de questions qu'on peut vous poser, le genre d'exercice qu'on peut vous poser sur les hyperplans. Comme quoi, c'est juste un mot de vocabulaire, si vous ne connaissez pas le mot de vocabulaire, vous êtes complètement bloqué, comme peuvent l'être les mots endomorphisme ou ce genre de choses. Et si vous connaissez votre mot de vocabulaire, vous avez gagné. C'est pas très très compliqué, c'est il est où mon exo ? Là. Hop. Alors, je sais plus c'est quel numéro d'exo. C'est exercice 8 du poly. Je le mets dans le chat. L'exercice 8 du poly, vous voyez, c'était une question comme ça posée à l'EDEC.
On vous donnait un endomorphisme de R3, on avait sa matrice M, et on vous demande de montrer que IM de F est un hyperplan de R3. Alors, plein de façons de traiter cet exercice. Comment vous feriez-vous pour répondre à cette question? Donc, bien sûr, le but de cette question, c'est de répondre que la dimension de l'image, c'est 3. Pardon, 2. Excusez-moi, on est dans R3. Donc, il faut montrer que la dimension de l'image, c'est 3 moins 1, 2. Donc, exovite. On veut montrer que dim de IM de F, c'est égal à 3 moins 1, qui fait 2. Comment vous faites pour me trouver la dimension de l'image? Alors c'est toujours la même chose et ça m'énerve, vous ne savez pas trouver vos images. Je l'ai encore vu là en corrigeant le concours blanc dans la partie espace vectoriel, alors que pour certains vous savez me faire des noyaux, et qu'un noyau c'est plus compliqué qu'une image. Mais bon. Au pire du pire, vous devez tous savoir faire un noyau. Ça fait partie des compétences que vous avez dû acquérir. Donc au pire, comment vous faites? C'est une mauvaise méthode, mais on peut le faire. Vous avez l'endomorphisme, vous avez la matrice de l'endomorphisme. Voilà, on va appliquer... En fait, c'est ça, Justine, c'est ton idée. Enfin, y a deux idées dans l'idée. On pourrait juste dire que par théorème du rang, encore une fois, c'est toujours le théorème du rang, si on applique le théorème du rang, on sait que la dimension de E ici, donc la dimension de R3, doit être égale à la dimension de IM de F moins la, plus pardon, la dimension de Ker de F. Ça fait 3. Pour trouver la dimension de IM de F, il suffit de dire que maintenant, plus ça, dimension de IM de F, ça devient du 3 moins dimension de Ker de F. Donc il suffit de trouver Ker de F. Et trouver Ker de F, comme vous avez la matrice, c'est trouver le noyau de la matrice. Et vous devez savoir trouver le noyau de la matrice. Donc je vais le refaire par pure révision encore une fois, très très vite. La matrice, alors elle est là-bas, c'est du 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Donc on a M qui vaut 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Donc pour faire Ker de M, je vous rappelle, on doit résoudre MX égale 0 en matriciel. Donc ça revient à faire du 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2 fois X, Y, Z égale 0. On n'est même pas obligé de mettre les variables, on peut travailler sur la matrice augmentée. Des petites révisions rapides, mais ça doit vous rappeler des choses. Je vais faire un pivot sur là, parce qu'il y a un 1 en haut à gauche et que vous ne savez pas faire autrement. Enfin, si, vous savez, mais... Alors, je viens de mettre un équivalent, je viens de mettre un égal là où ça devrait être un équivalent, excusez-moi. Donc, si je fais mes pivots maintenant, je vais faire du moins 2 fois. Donc, je vais garder mon 1 de 1. Si je fais du moins 2 fois, j'étais bête, bon, c'est pas grave. Je vais me faire du 0, je vais avoir du moins 3, je vais avoir du moins 1, je vais avoir du 0. Je vais avoir du moins 1 et je vais avoir du moins 1. Ça marche pas. Ça marche pas cette histoire, j'ai fait une erreur de calcul en faisant mon moins 2, j'ai du moins 3, j'ai du moins 1. J'ai du moins 1 et j'ai du 1. Mais ça marche toujours pas quand même. Parce que là, je peux refaire clairement un pivot ici, et je ne vais pas avoir 0 derrière. Je ne vais pas obtenir un noyau de dimension 1. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai eu faux quand j'ai tapé ma matrice. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Elle n'est pas de rang 4, 4, 4. Ben, si, elle est de rang 2, cette matrice. Qu'est-ce que je viens de faire dans mon noyau? 1, 2, 1, je fais un pivot, donc je fais moins 2 fois. Si je fais moins 2 fois, j'ai du moins 3. Si je fais moins 2 fois, j'ai du moins 1. Et je fais moins 1 fois, donc j'ai du moins 1 et du 1. Alors, je suis en train de me tromper dans mes calculs, je vais poser, parce que là, je fais n'importe quoi.
J'ai bien recopié la matrice. Cette matrice, elle est clairement de rang 2. Moi, je le vois et vous ne le voyez pas, mais c'est normal. J'ai clairement un vecteur dans le noyau à cette matrice. Donc, si je veux faire mes pivots, je vais faire que L2 reçoit L2 moins 2L1. Et je vais faire que L3 reçoit L3 moins L1. Maintenant, allons-y. Je recopie mon 1, 2, 1. Je recopie mon 0. Je fais du moins 2, donc j'ai bien du 0, j'ai bien du moins 3, j'ai bien du moins 1, bien du 0, et j'ai bien du 0, j'ai bien du moins 1, et j'ai bien du 1. Ouais, mais si maintenant je fais un pivot là-dessus, ça va pas marcher. Que quelqu'un voit mon erreur, je ne sais pas pourquoi je ne la vois pas. Moins 1, 1, et si je fais mon pivot là-dessus, j'ai du 3 fois, et donc si je fais du plus 3 fois, moins 3 fois plutôt, je vais me retrouver avec du 2, et donc je vais me retrouver que cette matrice elle est inversible, et c'est pas vrai. Alors, bon, bah non, il y a une erreur, non, elle est pas, je dis qu'elle n'est pas inversible, mais c'est pas vrai. Excusez-moi, je vois pas ce que j'ai fait, j'ai dû encore une fois faire une erreur à la recopie. Je vais aller rechercher le sujet de l'EDEC, j'en ai pour 10 secondes. J'ai cherché le sujet de l'EDEC duquel je l'ai tiré, mais si ça se trouve, j'avais rempli la matrice moi-même. Alors, on est parti en 2013. On a ça, on a une matrice ici, la matrice M. Ah bah c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah c'était pour pas vous embêter. Alors, j'ai recopié déjà ma matrice comme un pied et j'ai pas recopié la bonne question. Je vous copie, alors comment je fais ça? Par contre, je l'ai ouvert là-dedans, donc il faut que je le télécharge, enregistrer sous. Excusez-moi. Oui, je vais l'enregistrer. Ah mince, il a été enregistré là, cet endroit. Alors, EDEC 2013, il est où? Là. Bon, je vous remets un sujet à peine scanné, de mauvaise qualité, mais voilà la vraie question initiale. Alors déjà, j'ai fait n'importe quoi dans la recopie de ma matrice. Il faut passer la question A, ce n'est pas la question A qui m'intéresse, vous ne pouvez pas y répondre, c'était la question B. Et la deuxième partie de la stabilité, vous verrez ça aussi l'année prochaine. Donc c'était juste montrer que Kerr de F moins l'identité est un hyperplan de R3 avec cette matrice-là. Donc je sais pas pourquoi j'ai voulu modifier mon truc et fait, je pense que j'ai voulu modifier une image pour vous aider, mais si je fais F moins l'identité, j'ai une matrice avec que des 1. Je sais pas ce que j'ai voulu faire pour faire la modification que j'ai obtenue. Donc on va repartir du bon sujet, ça ira mieux, et ensuite je vous parlerai d'image. Que ça, c'était aussi pour faire une révision sur l'image, je pense que j'ai voulu modifier l'énoncé, mais j'ai fait n'importe quoi. Donc reprenons la matrice qui nous donne et reprenons la matrice moins. Donc la matrice qu'il nous donne dans le sujet, c'est la matrice 2, 1, 1, 1, 2, 1, donc c'est une matrice avec des 2. C'est ce qu'on appelle une matrice circulante, j'en ai déjà parlé. Il y a des 2 sur la diagonale et il y a des 1 partout ailleurs. Et maintenant, ils veulent montrer que Kerr de F moins l'identité est un hyperplan.
Donc voilà le genre de question, il faut connaître le mot de vocabulaire. Bon, bah, clairement, on doit donc trouver le noyau de F moins l'identité, donc c'est-à-dire le noyau de M moins la matrice 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc ce qu'on doit trouver maintenant, c'est le noyau de la matrice 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Encore une matrice un peu tordue d'ailleurs, donc je vais refaire mon système. Mx égale 0, c'est équivalent à faire la matrice 1, 1, 1. Je vais reprendre avec la matrice après, mais... ou ici je ferai une multiplication par x, y, z. Donc si je fais maintenant mon premier pivot, ça va aller beaucoup mieux, ça va me donner du 1, 1, 1, 0, 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 et mon système va être équivalent à x plus y plus z est égal à 0. Donc notamment mon système, si je finis ici, il va être équivalent à ce que x, par exemple z, soit égal à moins x moins y. Et donc je vous rappelle comment on conclut ça, on dit que x, y, z appartient à Kerr de f moins l'identité si et seulement si donc je remplace mon z par du x moins y moins x moins y et donc ça me fait du x fois 1 0 moins 1 plus y fois 0 1 moins 1. Et j'obtiens que Kerr de f moins l'identité, je finis là-haut, c'est vect de 1, 0, moins 1 et de 0, 1, moins 1. Donc c'est bien un espace vectoriel de dimension 2, vu que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc c'est bien un hyperplan dans R3. Désolé pour l'énoncé initial avec le... avec l'erreur. On va reprendre une variante pour parler de mon image, parce que ça va m'énerver sinon. Est-ce que ça va pour ça? Je peux effacer? C'était juste pour l'idée de rappeler un noyau. Hein. C'est encore une fois, le but, c'est faire des révisions. Hein. C'est pas, il n'y a pas grand-chose à part connaître la définition d'un hyperplan ici. Est-ce que ça va avant que je reparle d'image? Parce que c'est l'image que je voulais réviser, parce que c'est celle-là que vous avez du mal à faire, alors que c'est ce qu'il y a de plus simple parmi les deux. C'est plus simple qu'un noyau, une image. Hein, donc... Alors, allons-y. Hop. Donc, je vais modifier ma fonction pour que ce soit malin. Je vais plutôt l'effacer, ça sera mieux que de faire des... C'est bon. Cette matrice-ci, je ne sais pas pourquoi je me suis trompé en le faisant, au moins là je suis sûr qu'il n'y aura pas d'erreur, soit M montrer que DIM... de im de alors soit M la matrice de F un endomorphisme de R3 montrer que la dimension de l'image de F ça fait 2. Donc montrer que c'est un hyperplan si vous voulez. Mais comment vous faites pour trouver l'image d'une application linéaire? Alors là moi je vous laisse réfléchir, j'aimerais bien que vous me dites comment vous faites. Moi je vais juste chercher mon poly de cours de la propriété que vous connaissez mal. Donc poly de cours sur les espaces vectoriels, je vais donc dans alors cours, c'était le chapitre 11 sur les applications linéaires du coup.
J'ouvre le poli, je descends. Alors, est-ce que j'ai mieux que ça? Non, j'ai pas mieux que ça. C'est parce que c'est une toute petite propriété, mais... Alors, je vous remets ceci. J'aurais dû faire une conséquence. En fait, c'est peut-être que dans le poli, il manque une conséquence plus simple qui vous montre ce qui va pas. Mais normalement, je n'ai que ça à vous mettre dans le programme. C'est la première ligne de la propriété 4, tout simplement, donc du chapitre 11. L'image d'une famille génératrice de E par F, alors le L est mal tapé. Pour quart de F en Z, c'était du 0, le vecteur en Z c'était du 0, 1, moins 1. Pour Z. Enfin, Z c'était égal à moins X, moins Y. Et donc les deux vecteurs c'était 1, 0, moins 1 et 0, 1, moins 1. Donc si je reprends donc la première ligne, il y a juste le L qui est mal tapé, mais l'image d'une famille génératrice de E par une application F est une famille génératrice de IM de F. Donc c'est juste pour vous rappeler un truc tout bête, cette matrice elle sera, on appelle la base canonique E1, E2, E3. Ça c'est F2E1, ça c'est F2E2, ça c'est F2E3 qui se décompose selon E1, E2, E3. Et notamment, IM de F, c'est toujours vect de l'image d'une base. Donc maintenant, IM de F, c'est toujours vect dans notre cas de 2-3-3. Moins 3, pardon. 1, 2, 1. Et moins 3, 1, 2. Et maintenant, je veux la dimension de cette image. Donc, c'est ça qui vous manque. Hein. C'est juste cette ligne-là. C'est juste que vous ne savez pas que votre image, c'est vec de ça. Par contre, pour avoir la dimension de ça, il me faut la dimension de cet espace vectoriel. Comment je calcule la dimension de cet espace vectoriel qui est généré par... 3 vecteurs, je les recopie pas. Comment vous faites pour me trouver la dimension de cet espace vectoriel de 3 vecteurs? On regarde la liberté. Oui, alors en regardant la liberté, on va trouver le nombre de relations de liaison, et donc en trouvant le nombre de relations de liaison, on va trouver le rang de la famille. Mais en gros, on peut le faire directement, c'est le rang de cette famille de 3 vecteurs que je ne recopie pas. Et autre propriété de cours, le rang de la famille, c'est tout simplement aussi le rang de la matrice. Donc il suffit de trouver le rang de cette matrice. Donc il suffit de faire des pivots et de s'en sortir. Alors là, j'ai vraiment pas envie de faire des pivots d'abord par rapport à la première colonne. Je vais plutôt faire des rangs par rapport à ça. Je vais déjà effacer des choses, sinon je vais pas avoir la place. Je vais effacer tout ça. Hop, pour avoir un peu de place là-bas dans le coin. Alors si je continue mon rang, le rang de cette chose-là maintenant, si je fais mes pivots un peu vite, mais avec du sens, ça devrait bien se passer. Donc j'ai un 2, j'ai un moins 3, j'ai un 1 qui bouge pas. Je vais faire apparaître un 0 en faisant un moins 2. Donc si je fais un moins 2, je me retrouve avec un moins 7 ici. Je fais un moins 2 fois, je me retrouve avec un 7 ici. Je fais un moins 2 fois. Non, je vais faire ici, pardon, un moins une fois. Oui, donc je vais me retrouver avec un moins 5. Et je vais faire un moins une fois, je vais me retrouver avec un 5. Donc c'est le rang de cette matrice-là. Et maintenant, je sais pas, je peux faire un pivot par rapport à ça, par exemple. Et la diviser, bien sûr, par 7. Oula, si je la divise par 7, ça va me faire un 2, 1, moins 3, un moins 1, 0, 1. Et ensuite, si je fais mon pivot, je vais bien me retrouver avec une ligne de 0. Donc le rang de cette matrice est clairement inférieur ou égal à 2.
Et comme par exemple les deux premiers vecteurs ne sont pas collinéaires, il est clairement maintenant égal à 2. Donc j'ai le rang de cette matrice, donc j'ai le rang de ma famille, donc j'ai la dimension de mon espace, donc c'est bien un hyperplan. Je ne sais pas pourquoi ma matrice était fausse et que ça ne marchait pas mes pivots. Elle était inversible en fait, la matrice M que je vous ai donnée. Je pensais qu'elle ne l'était pas, mais non, ça, enfin, bref, il y avait une valeur propre simple que vous connaissez, vous ne maîtrisez pas encore la notion de valeur propre, mais il y avait une valeur propre simple sur cette matrice, mais c'était pas 0, donc en fait elle était inversible. On est passé à égal 2. Alors le inférieur ou égal à 2, c'est parce que j'ai une ligne de 0. T'es d'accord avec ça, Justine? Le égal 2, c'est toujours la même chose. Alors je reviens à l'inverse. Le rang d'une matrice, c'est aussi le rang de la famille de vecteurs. Les deux premiers vecteurs de cette matrice, les deux premiers vecteurs colonnes, sont non collinaires. Donc forcément, c'est aussi supérieur ou égal à 2. Donc inférieur ou égal à 2, ça je vais mettre ligne de 0. Je vais mettre supérieur ou égal à 2, je vais mettre deux premières colonnes non collinaires, deux premières, deuxième colonne non collinaires. Donc elles sont à la fois un plus petit que 2, plus grand que 2, c'est donc égal à 2. Voilà comment on peut faire. Enfin, c'était pour vous faire un petit dérouillage sur ces notions d'application linéaire et de choses comme ça. Bon, il est 55. On a fini pour moi tout ce qui était somme d'espace vectoriel. On a quand même un petit truc à faire derrière, on le fera lundi. On a tout le grand 3 qui nous parle de la notion de projecteur, et donc on va refaire pas mal d'exos encore là-dessus toute la semaine prochaine sur le grand 3. On a cours lundi, on a plus cours mardi, on a cours vendredi la semaine prochaine. Je vous ferai encore, à mon avis, des exos quand même. Pour la semaine, je pourrais pas faire de séance de TD mercredi vu que j'aurai le conseil de classe et qu'après le conseil de classe, je ne sais pas encore comment je gère mon fils vu qu'à cause du conseil de classe qui est le matin, je sais pas quand est-ce que je vais gérer ses devoirs et que je dois faire ses devoirs, etc. Donc il y aura pas d'autres séances à part lundi et vendredi prochain. Là il est moins 5, j'arrête là pour les maths, je vais juste corriger la dernière question. De ce que je vous ai demandé en info, il y a de ça déjà 3-4 semaines maintenant. Donc je vais corriger ce truc là, la dernière question qui n'avait pas encore été corrigée. Et une fois que ce sera fait, on arrêtera la séance. Allons-y. J'efface tout ça, je vais remettre l'exercice dans le chat et on corrige ça. Est-ce que ça va pour ces notions? S'il y a encore une question, je peux quand même répondre à une ou deux questions. S'il y a une ou deux questions sur le sur ces notions de rang et tout que je viens de faire, mais à part ça, à part le bug que j'ai eu, il n'y avait pas eu grand chose. Sacha, vas-y, t'as levé la main, excuse-moi, j'avais pas vu Sacha. Ah non, ces deux vecteurs-là, Sacha, sont non collinaires. Donc c'est au moins de dimension 2 s'il y a ça dedans. C'est au moins de rang 2 et de dimension 2. D'accord? On pourra faire une image. Oui, bah la semaine prochaine, enfin dès qu'on aura officiellement fini le chapitre, le reste, c'est je suis en train de vous pondre un poly d'algèbre linéaire pour faire de la révision d'algèbre linéaire. C'était ce que voulait qu'on révise monsieur Pruvot. Il voulait que vous soyez au point en algèbre linéaire plus que je finisse le programme de l'année. Donc j'ai quand même fini le programme de l'année, mais ce qu'on fera juste après, ce sera de la révision d'algèbre linéaire et c'est tout. Excusez-moi, comme j'ai répondu à Sacha, j'ai pas encore ouvert le poly, donc allons-y. Donc, ECS 2019, Scilab, on est sur le TP5, complétion lecture, et l'exercice qui me restait à corriger, c'est basé sur le menu de je ne sais plus quelle semaine,
aurez d'ici ce soir, vous pouvez tous récupérer vos copies de concours blanc. Hein. J'ai quasiment fini. Il me reste une copie à corriger. Celle de Justine, donc pas des moindres vu le nombre de pages. Mais j'aurai fini d'ici une bonne heure. Donc vous pourrez récupérer vos copies de concours blanc. Et je mettrai aussi un document avec les notes de tout le monde, enfin en cachant les noms pour que vous puissiez voir vos notes. Alors, c'était quelle semaine? Je retrouve pas, c'est la semaine du 25. Retire le poly, chapitre 17, corriger l'exercice 4. Non, donc c'était avant. Donc ça doit être la semaine du 18, je suis pas fou. Lire le poly 14C. Ah, si j'ai fait 5 ans. Ça fait si longtemps que ça? C'était la semaine du 11 mai que je vous ai demandé cet exo là. Waouh! 1, 4, 3, donc nous étions. Donc c'est l'exercice 1, 4, 3, je vous l'affiche dans les quelques secondes qui arrivent. 1, 4, 3. Oh, c'était juste ça. C'était un petit exercice tout bête en plus. Alors, hop. Voilà, alors je vous le mets dans... Donc vous l'avez ici en... Normalement dans le chat, c'est le dernier exercice qui reste. Donc c'était pour revoir surtout les choses sur les sommes et ce genre de choses. Alors un peu avec un contexte de vecteurs et tout ça. Mais on vous donne une x, une variable qui a support sur 0n, donc une à support fini. On définit une quantité basée sur ça s'appelle l'entropie de la variable. CH de x est moins la somme, donc c'est donné dans l'énoncé. Je vais le recopier après, mais c'est moins cette somme-là. Et on vous dit qu'on dispose en Scilab d'un vecteur P qui est de longueur n plus 1 et qui contient toutes les probabilités de x, telles que la probabilité de k plus 1, c'est la probabilité de x égale k. Donc on va comprendre ça. Et ils veulent que vous créez une fonction qui calcule l'entropie de la variable x. Donc on va répondre de deux façons. On va répondre en juste faisant ce qu'on fait nous, ce que je vous ai appris et ce que je veux que vous sachiez faire, et ensuite en sachant manipuler ça du point de vue des vecteurs. Donc je vais remettre les données en haut. En haut, donc on a h de x, c'est donc moins la somme pour k égale 0 jusque n des probabilités de x égale k. Oula, ça rame encore. Probabilité de x égale k fois le ln de la probabilité de x égale k. Ah! Désolé, j'écris mal, mais c'est parce que ça rame. Enfin, j'écris plus mal que d'habitude parce que ça rame. Sur ln de 2. Donc ça, c'était votre quantité h. Et ce qu'ils vous disent informatiquement, c'est que vous disposez d'un vecteur p, donc qui est de longueur n plus 1. Et donc c'est un vecteur P, donc il contient en fait, donc P de 1, c'est la probabilité, ça contient en valeur la probabilité de x égale 0. Et c'est pour ça qu'ils vous font ça. Donc c'est comme les listes commencent à 1 en Scilab, on a un petit décalage dans la liste qui serait. Donc forcément P de, c'est comme ça qu'ils vous le définissent, P de i plus 1 ou k plus 1, c'est pareil. Ça contient la probabilité de x égale k. Ce sera plutôt pour la deuxième partie hein, que ça nous intéressait. Et bien sûr, p de n plus 1, ça contient à la fin probabilité de x égale n. Ok. Donc voilà ce qu'on a comme données. Et on veut créer une fonction. Donc on va appeler ça function entropie. Ok. Je parie qu'on renvoie l'entropie dans une variable h, je reprends plus l'en-tête du sujet, hein, je fais peut-être des choses différentes, et qui prend en entrée cette fonction p. Alors, est-ce qu'elle prend que p ou elle prend pn et ça vous aide? Elle est méchante, elle prend que p. Ok, bon, elle est quand même très méchante, du coup, cette fonction. Ok, et on fait n function en bas. Alors, on cherche à compléter ça. Avant de chercher à le faire vectoriellement, moi, la première chose que j'aimerais vous voir faire,
c'est uniquement de voir que programmer ça, c'est programmer une somme. Donc je vous ai déjà dit comment programmer la somme, c'est il faut essayer de trouver une relation de récurrence sur châle. Donc voir ce thème-là comme si on l'appellerait UN, et essayer de voir ça comme une relation de récurrence. Donc la relation de récurrence à trouver, ça peut être de justement calculer ce qui se passerait si on irait de 0. Alors ça dépend comment vous pouvez le faire, vous pouvez séparer de N en N-1 et N, ou voir ce qui se passerait si on irait de N à N+1. Mais si on voudrait calculer, entre guillemets, ce que moi j'appellerais UN+1, ça serait moins la somme de 0 jusqu'à N+1 de toute la quantité. On dirait donc, je recopie pas tout, parce que c'est juste que c'est comme ça RAM, c'est très lourd pour moi là, tout taper. Ça ferait la somme pour k égale 0 à n, moins la somme pour k égale N+1 à N+1 si j'applique chal. Le but de faire apparaître cette somme de 0 à n, c'est toujours la même chose quand on calcule une somme et qu'on veut le faire informatiquement, c'est de faire apparaître un un. Donc je vais me retrouver avec le fait que UN+1 c'est UN moins, et là par contre je vais le recopier, c'est la probabilité que x égale N+1 fois le ln de la même chose, divisé par ln de 2. Alors voilà, et si maintenant j'essaye encore un peu plus de traduire ça informatiquement, ça deviendrait du UN+1 qui serait égal à UN moins le P de x égale N+1 en fait, ce serait, pardon, pas P de x égale N, enfin si, ce serait ça, mais dans mon vecteur P, ce serait du P de N+2 entre guillemets que j'aurais, fois log de P de N+2, divisé par log de 2. Est-ce que vous êtes d'accord sur juste ces petites étapes classiques qu'on aurait fait? Ça, c'est ce que moi j'attends de vous si vous devez programmer une somme, si on vous demande de programmer une somme en Scilab. C'est d'arriver à identifier ce principe-là, parce que maintenant, une fois que vous êtes là, vous devez comprendre que vous êtes en train d'essayer de programmer une suite récurrente à un pas non autonome. Non autonome parce que, tout simplement, il y a du n ici et du n ici. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Alors pourquoi N+2? Parce que regarde ce qui est là-haut, Sacha. Si je recopie en N+1 mon entropie ici, j'ai bien des probabilités de x égale n+1. Et malheureusement, si c'est la probabilité de x égale n+1, même si ça n'existe pas, c'est juste pour trouver ma relation de récurrence, c'est bien du p de n+2. Donc c'est juste pour ça le plus. Justine, tu comprends pas ce qu'on fait. Je vous avais demandé un exo, je sais plus c'était quand, en TP d'informatique, où il fallait calculer la somme des k carrés. Dans un TP d'informatique, et il faut que vous vous rappelez ce que vous avez fait en TP, malheureusement. Je vous ai demandé de me calculer cette somme, créer une fonction qui calcule cette somme. On l'avait vu en vectoriel, d'ailleurs. Mais avant de le faire en vectoriel, je vous ai demandé de me le faire avec en posant une relation de récurrence. Et le principe que j'avais fait pour calculer ça, c'est que j'avais dit que si j'appelle ça UN, j'ai UN+1. Alors là, je fais mon châle un peu vite, parce que j'ai pas le temps de faire un million de châles. Enfin, si, j'ai le temps, mais c'est à vous de savoir aussi si vous avez le temps. J'aurai UN+1, si je fais ma relation de châle entre le rang N et le rang N+1, qui valait UN plus N+1 au carré. Est-ce que tu es d'accord que si on fait châle, on obtient ça comme relation de récurrence? Et donc ceci, pour moi, vous savez déjà me le programmer, parce que ceci est une suite récurrente non autonome. Et vous savez me programmer les suites récurrentes non autonomes. Donc c'était ça l'idée. L'idée de cette somme, c'était ça. Donc ce que j'ai envie de voir, que vous soyez capable de voir dans un premier temps, parce qu'au moins vous saurez répondre correctement à la question quoi qu'il arrive,
C'est que si vous avez, si on vous demande de programmer comme pour cette fonction-là une somme, si on vous demande de programmer une somme, bah, que vous pensiez à ce principe-là de une somme, si je fais châle à un pas, je peux transformer ça et ce sera quasiment toujours des suites récurrentes non autonomes, toujours. Donc là, c'est celle-là la relation, ici dans mon cas, c'est celle qui est là en bas la relation. Et une fois que vous avez ça, bah, il ne reste plus qu'à savoir programmer cette suite récurrente non autonome. Qu'est-ce qu'on veut calculer là-dedans? Alors il y a quand même une surcouche vu qu'on veut renvoyer. Non, on veut juste calculer la somme, donc il n'y a pas de surcouche. On veut renvoyer h dans la variable, la quantité h qui est là. Donc suffit d'initialiser h et de faire une boucle. Donc attention, il va me manquer une ligne à ce que je vais écrire, donc faites un tout petit peu de place pour qu'il y ait une ligne en plus. Mais donc ce qu'il suffit de faire maintenant, c'est initialiser h. Donc par exemple, en 0, ça ferait la probabilité de x égale à 0 fois ln de 0. Alors parce que si c'est pour faire du somme de p, je suis tout à fait d'accord avec toi, Justine. Mais si c'est pour faire du somme de p, autant tout faire en vectoriel et c'est la deuxième correction que je donne. C'est juste que si c'est pour utiliser les fonctions vectorielles, et c'est très bien, on va utiliser somme. Mais si c'est pour utiliser les fonctions vectorielles, on va faire tous les calculs en vectoriel du début à la fin. Et ça ira beaucoup mieux en fait. Là, comme je le fais comme ça, je vais initialiser h. Donc h, ce serait moins p de 1. Le premier terme de h, ce serait moins p de 1. Donc je calcule mon terme j'initialise en fait. Hein, c'est le premier terme quand k vaut 0. Ça fait moins p de 1, ça rame vraiment, donc c'est dur. Log de p de 1 divisé par log de 2. Là, j'ai initialisé h. Et maintenant, ce que je devrais faire, si je fais cette solution-là, alors je passe une ligne, vous allez comprendre pourquoi après. Il faut que je fasse juste ma boucle for. For k, alors j'ai initialisé 0. Donc clairement, mon k, il doit aller de, si je fais ça sur k, il doit aller de 1 à n. Ça rame, désolé. Et maintenant, ma ligne, ça va devenir U, à cause de la ligne qui est là en bas. Hein. Ça va faire du U reçoit U, moins P de... Alors justement, quand je fais avec du U, j'ai du N plus 2, quand je calcule UN plus 1, ici en bas. Donc ici, c'est du P de K plus 1. Fois log de p de k plus 1, c'est un log qui ne veut pas s'écrire. Divisé par log de 2. Je vais effacer derrière, mais c'est juste pour diviser par log de 2. Allez. 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 Bon. Je n'arrive plus à écrire. Je vais couper l'enregistrement malheureusement parce que sinon je pense que c'est ça qui me foire complètement mon...